www.congomasolo.com. Kitoko. Avec Congo Dialogue, assurance et puis ma cambo danger dit. Balobi, il faut toquer l'élection. Élection ngo lobby l'OIF basilici banquette na bang audit et affiché électoral. Selon l'OIF, 16,5% yaba électeur na lobby 16,5% yaba électeur bazana ba empreinte té ba enregistré ba enrôlé bango sans empreinte. Selon l'opposition, 24% est affiché électoral. Loi sur la répartition, des sièges, ils ont déjà voté. Qu'est-ce qui va se passer, Bande Konanga? Ils ont compliqué. Bah, tout sans empreinte, bah, se retrouver un afficher Nengeni. Yango, tant que bah, copé sa rapport, bah, toi, bah, y'a qui copé sa rapport, bah, tu as OIF avant que bah, reparti, opposition, bah, boy, qu'on participe, parce que bah, moni malamouté. Et en ce moment même, Corneille Nanga Lobby, Otikali Otikali, il doit avancer. Le 23 juin, depuis convocation à corps électoral, il y a une candidature, il y a des députés provinciaux. On va y revenir, Bande Konanga. Pour ma cambouzaïbe. Mais tous les gens ont un dossier à Rossi Mukendi Chimang. Procès. Bande Konanga. Rossi Mukendi Chimanga, procès naye bandi lobby. Ngai nazalaki kosela, komona ba tous les mouvements citoyens d'abord mobilisés pour na komona malamu dossier oyo. C'est ce qui ne s'est pas passé. Bo komona ba tubayaki. D'abord botala ndenge nini na ba policier ba kitaki ba lobby ba tubaye na bambeli ba tubaye na mbeli pour na nini. Tout ça qu'on a posé, tout est la vérité, il y a le Cambodge. Batoubaya qui bangoan, ce qui audience y a Liboso, Batoubaya presque pas. C'est seulement la famille de Rossinde Bakobana Koukanis. C'est papa l'a perdu son fils qui était le pilier de la famille, Rossi. Rossinde Azalaki Lokola, pilier Yandak, Yatatawan. Na maman ou yobokom. Le lor aussi a koufi. Na marche. Ce qui est à la vivant, il pouvait être collabo. Na document ou yobabimisa qu'il travaillait dans un ministère. Alinga qui est à la collabo. Mais yon moutou, au monde a kaba collabo partout. Au tikali na famille na yo, ils allaient co-bénéficier na yo. Mais cette famille l'a perdu. On a commencé déjà à l'oublier. Audience à Liboso, on a dit que Batouba Kozala plein. Voilà le nombre de gens. Oh, bah, Kobanga Bakanga, Kobanga Baboma, et Zanin. Mais dans 4 siwana Bande Konanga, c'est la première lecture. Et Zaki, dans la 7e rue limitée, ceux qui battent, Missus Okoroba Kéoyeba quitté, et Zaki, dans la 7e rue limitée, industriel, quelque part, la pré-petit boulevard. Va remettre en haut à 2 semaines. Va lobby le 8. Le 8 juin. Nde batou bako se retrouver l'issus. Tomoni moi na mobali wana va se présenter comme présumé assassin. Famille ya. Nakati wana policier oy. Bande kona epe bayaki. Bangwane bako kaki ko banga ke, kuna batu, lokola batu bako ya pona procès ya Rossi, bako sala biso mabe, mais baye quand même bazawan. Kote ya Rossi, leki na ye Nathalie, alobaki, yango tolobi, procès oye zala lokola ya kamwe nan sapute, e kende nenge kendaka, bolan. Tokis, Kumbo, Gérard. C'est venu, Tokis. Présent. À là-bas. Où est-ce que tu as gradé? Je suis là. Je suis là.
Vous êtes la fontaine. Ma combo organe est la fondée du bosseur. Et c'est le 25 mai, le 25 février 2018. Quand ma fondée l'a rendu dans le bâtiment. Kumbo Gira. On est combien? Au bout de la main. Au bout de la main à Kishasa. Les cantines. Le 17 fils de. Fils de Kumbo et Roma et de Limotu Baito Marie-Jeanne en vie. Aza originaire ya Équateur. Bokeki Waka. C'est que. Waka. 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 Territoire. Bassankousou. Province. Équateur. État civil. Célibataire plus des enfants. Alors, deux enfants. Combien? Deux enfants. Qu'est-ce que c'est? Un policier. 119-85-11-21-06-74. Unité. Kuma, Ipekin Kuma. Escardon mobile unité sous unité. Escardon mobile. Et à moi. Avenue Mbelu 38. Commis d'un seul. Talangaï. Catholique. Je roule 90, 87, 922. Au Canada, il s'agit bien des produits que vous avez préférés. Vous avez mon quelle langue, madame? Oui. Mon pays. Les 11. Les 11. Ah, la commune est 15. Monsieur le Président, c'est-à-dire la fois passée. C'est ce que nous sommes en train de dire, Monsieur le Président. Que votre ou qui ce tribunal avait cité le prévenu pour cette audience en deux reprises. Vous avez commencé à les citer de comparaître à la prison militaire d'Ndolo. Et après, vous n'avez pas jugé bon que cet enfer soit appelé à la prison militaire d'Ndolo. C'est ça que vous avez changé au mois en date du 25. Les prisonniers veulent savoir les derniers actes. C'est ça. Les tribunaux se déclarent saisis légalement à l'égard des prévenus Tokis. Sollicitons une remise pour permettre au conseil de bien s'imprégner du dossier, étant donné que nous faisons un métier intellectuel et non mécanique, Monsieur le Président. Il va falloir que les conseils se réunissent et étudient les dossiers. Voilà pourquoi nous sollicitons une remise à 2 semaines. Pour nous permettre de bien nous prévenir du dossier et préparer la défense de notre client, nous avons dit. Oui. Pour compléter le confrère, Monsieur le Président, pourquoi les 2 semaines? Parce que nous devons, tel que le confrère vient de lui dire, nous devons saisir votre vice-tribunal pour être autorisé de lever les copies du dossier et cela va nous permettre d'examiner les tenailles et aboutissants. Et en 2 semaines, votre vice-tribunal va procéder
au fond de, de cette affaire, monsieur le président, nous avons qui a examiné cette affaire à son niveau, l'étape appelée l'instruction préparatoire. Nous pensons que nous avons des arguments nécessaires pour que cette affaire évolue normalement, mais parce que la défense a sollicité la remise à la quinzaine, nous pensons que c'est tout à fait fondé. Quant à la raison évoquée, nous ne trouvons pas d'inconvénient si votre tribunal apprécie en faisant droit à la demande. Nous avons dit. Pas d'inconvénient à ce que cette remise soit accordée. Au contraire, pour assister l'assassin de notre client. Il y a présomption d'innocence. Il ne peut pas, d'une manière là. Précoce, là. Cavalière, excusez l'expression, monsieur le président, tenir ce genre de propos. Il appelle les clients assassins, monsieur le président. Tout de suite, elle est cet acte, monsieur le président. Mais le greffier, c'est monsieur le doyen de l'ordre, monsieur le président, qui tenait ce genre de propos. Nous voulons que cela soit acté et réacté, monsieur le président. Nous l'avons dit. La loi qui est inscrite dans la citation à prévenir qu'ils ont lue, lorsque la loi vous renvoie aux articles 43, 44, 45, c'est là où on a parlé d'assassinat. Et celui qui commet l'assassinat est un assassin. Oui, votre honneur, moi je voudrais aborder un autre aspect. Au nom du parti civil, je sollicite de votre tribunal, étant donné que la salle n'est pas vraiment confortable, si votre tribunal peut penser à l'audience de la remise, de délocaliser l'audience, étant donné que vous êtes dans votre ressort et il y a quand même des endroits mieux que cette salle que vous pouvez désigner jeudi. Oui, monsieur le président, nous voulons réagir par rapport aux propos du doyen. Même si la loi a organisé, monsieur le président, une infraction, mais le langage juridique fait à ce que lorsqu'on est devant une juridiction, il y a des termes appropriés et il le sait. Lorsque la personne se trouve devant le magistrat du parquet, la personne est appelée l'inculpé. Lorsqu'il est devant le tribunal, il est appelé prévenu. Et la Constitution garantit la présomption d'innocence. Donc jusque-là, il est présumé assassin. Mais il n'est pas assassin. Qui ne vous dit pas qu'à la fin de ce procès, il sera acquitté. Mais c'est purement précoce d'appeler notre client assassin. Bon, nous comprenons peut-être que c'était pour amuser la galerie, mais monsieur le président, nous sommes de la défense. Il y va de la vie d'une personne. Nous ne venons pas blaguer. Monsieur le président, il y va de la vie d'une personne. Nous ne venons pas blaguer avec des termes, mais surtout que nous sommes devant la presse. Donc, jusque-là, il y jouit de la présomption d'innocence, lui reconnue par la Constitution. En conséquence, il n'est pas assassin. Il est présumé coupable. Mais pourquoi la loi dit présumé? La loi dit présumé pourquoi? D'ailleurs, la Constitution dit toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent. Nous sommes devant un tribunal compétent et nous attendons que le tribunal puisse en décider. Mais c'est très précoce que les confrères puissent appeler notre client assassin. Et nous savons, monsieur le président, c'est déjà une fuite en avant. Parce que nous disons qu'il est innocent et nous allons l'éprouver. Nous avons dit, monsieur le président. Abondant dans le sens de maître Kabengela, j'ajoute que nous ne venons pas amuser la galerie. Nous avons un décès. Que les confrères retiennent que les partis civils viennent défendre la cause des morts. Et pour cela, nous ne pouvons pas venir amuser la galerie. Et que cela soit retenu. Nous venons plaider avec larmes aux yeux. La famille Chimanga vient à cette audience avec larmes aux yeux. Et nous, les avocats, nous ne venons pas amuser la galerie. Que cela soit retenu dès le départ de cette audience. Nous avons dit. Au nom de la courtoisie, entre vous, les avocats, pouvez-vous être sûr? Le terme assassin. Mon serment dit ceci. Mais je reviens. Mon serment, c'est de respecter la Constitution et les lois de la République. Parmi les lois de la République, il y a le code pénal.
que pour traduire quelqu'un devant vous, en cette circonstance, il y a des faits pénaux. Les faits pénaux pour lesquels il comparaît ont une qualification juridique. Et pour le fait qui nous amène devant vous, la qualification juridique retenue par le ministère public et sur base de laquelle vous allez instruire, c'est l'assassinat. Or, excusez-moi, mon président. Excusez-moi, président. Parce que si vous me retirez ça, c'est me dire que je ne veux plus concourir. Parce que moi, je viens avec cette casaque d'assassin pour vous demander à vous de trouver que cette casaque convient non seulement à lui, mais à tous ceux qui avaient donné l'ordre. Moi, je vais dire, faire mon travail pour vous prouver que cette casaque-là convient d'assassin. Les confrères qui sont là ont le travail de dire cette casaque-là ne convient pas. Il faut qu'on puisse recoudre ou déconfectionner. Et vous, vous serez là pour savoir est-ce que les arguments apportés par les partis civils conviennent. Parce que la qualification vient de la citation. Comment le tribunal, sur demande d'une partie, doit me demander de ne pas utiliser le mot consacré par la loi? Alors, je plaide, je suis venu pour plaider pour l'assassinat de M. Rossi Mukendi Chimanga que nous avons enterré la semaine passée. Et parce qu'il a été assassiné, c'est pourquoi je suis là. S'il était seulement victime de coups et blessures, je ne serais pas là. J'ai beaucoup de choses à faire. Parce que la parole c'est dans notre côté, Monsieur le Président, si je peux compléter les confrères. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen vient de vous dire que respecter les lois de la République fait partie de notre serment. Mais respecter aussi les autorités judiciaires que vous êtes fait aussi partie de notre serment. Et c'est l'autorité judiciaire qui demande au doyen de l'ordre de retirer. C'est le tribunal, Monsieur le Président, vous êtes autorité judiciaire. Vous venez de le demander de retirer, Monsieur le Président. Et il vous dit, non, il ne peut pas retirer, Monsieur le Président, pour ne pas prendre beaucoup de minutes, Monsieur le Président. Nous vous demandons de constater, passer outre par rapport à la remise que nous avons sollicitée pour ne pas prêcher au désert, Monsieur le Président. Nous avons dit. Nous déplorons cet échange épistolaire que nous considérons comme un faux débat. Ce sont des avocats, nous dirons respectés et respectueux, qui peuvent se réduire à ces niveaux pour les termes ou les qualifications. Mais tous, Monsieur le Président, nous sommes tous soustraits au respect de la Constitution, d'abord, et des lois, Monsieur le Président. Et même ceux du barreau, ils ont les règlements intérieurs qui leur imposent le respect mutuel, Monsieur le Président, même dans des termes. Monsieur le Président, s'il ne s'agissait que de la qualification ou des qualifications retenues par le ministère public, cette audience n'aurait pas eu lieu. Parce que, Monsieur le Président, la Constitution dit que la personne traduite devant une instance juridictionnelle quelconque est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente, Monsieur le Président. Donc, nous pensons que les choses évolueront dans ce sens-là, de rechercher la condamnation, là sur le ministère public, la condamnation du prévenu traduite devant votre tribunal, mais dans les respects de la loi. Nous pensons que, Monsieur le Président, cela mérite que le parti mette de l'eau dans leur vin pour que l'on n'assiste pas ici, Monsieur le Président, à un combat qui perd le sens loyal, comme nous l'avaient enseigné nos éminents professeurs, Monsieur le Président, à l'université, que les avocats prennent le mal en patience. Votre tribunal fait du travail et c'est d'ailleurs le moment indiqué pour que les choses soient mieux éclairées. L'étape de l'instruction juridictionnelle, Monsieur le Président, chacun viendra avec les arguments pour, Monsieur le Président, qu'ensemble nous faisons triompher la vérité. Nous avons dit. On gagne là-bas. Les tribunaux estiment que
Nous devons garder nos émotions et nos réactions. Devant les tribunaux, c'est la loi et les preuves. Parti civil, Chima. Composition, monsieur le ministère public. Monsieur le président, étant donné qu'il y a une remise qui venait d'être sollicitée à votre tribunal, nous pensons pour notre part que ce n'est pas le moment de pouvoir parler déjà des témoins. Il va falloir que votre tribunal commence l'instruction de cette affaire et qu'ensuite, s'il y a des témoins, les noms vous seront communiqués. C'est renvoyé à deux semaines. Parler de la remise dans deux semaines, ça ne fixe pas très bien les esprits. Pensons que la quinzaine tombera le 8 juin 2018. Que la cour, comme le tribunal, comme il a décidé, fixe les esprits sur la date précise. Au lieu de parler de deux semaines, nous pensons que c'est le 8 juin que nous avons dit, monsieur le président. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et je suis l'avocat du prévenu Tukisi Kumbu. À la jeunesse d'enfer, je dois vous dire que comme humain, nous déplorons tous les comportements qui a endeuillé la famille de Rossi Mukendji. Mais ce que nous voulons demander au tribunal est que d'identifier les vrais auteurs de cet acte et ça va permettre la juridiction de punir chacun selon sa participation criminelle. Nous venons de solliciter la remise en deux semaines pour nous permettre d'accéder à le dossier physique et voir comment le prévenu qui est notre client est poursuivi, quels actes criminel qu'il avait posé, quelle responsabilité pénale qu'il peut avoir. Mais s'il y a même des auteurs intellectuels, des commanditaires, à l'audience prochaine, on va les citer pour qu'on ait une décision équitable qui va protéger les uns et les autres. Parce qu'à l'entrée de jeu, je vous ai dit qu'on ne peut pas s'amuser à la mort d'une personne. Rossi Mukendji qui a été décédé n'était pas n'importe qui. Un, il était acteur des droits de l'homme, activiste des droits de l'homme comme moi. De deux, il était enseignant à l'université. Au moins que c'est lui qui n'a pas eu chance d'être à l'université, qui peut accepter ou soit se réjouir à la mort d'un enseignant. Et ça nous fait mal. Mais ce que nous demandons est que les auteurs soient identifiés, le commanditaire soit identifié, et tout le monde qui avait contribué, ni de loin, ni de près, soit interpellé pour que la justice soit faite. Il y a déjà la preuve la plus tangible, c'est le corps de Rossi Chimanga qui a été enterré. Et c'est l'expertise d'autopsie qui a révélé qu'il a été atteint par une balle réelle et qui avait remis la balle réelle. Ce prévenu n'a pas inventé l'arme, ne s'est pas doté lui-même de l'arme, qui lui avait donné l'arme, qui lui avait donné l'ordre de tirer. Ces gens-là doivent répondre devant la justice. Merci. Merci beaucoup. Na procès ya Rossi Chimanga et Utiko Banda Lelo, parti prévenu a sollicité na tribunal était ba accordé remise il y a deux semaines pour que ba avocat ba koka okota en contact na ba pièce ya dossier ba tanga yango et que en ce moment là quand le tribunal a kobanda instruction base à la mesure à ko défendre client na bango. Voilà pourquoi le tribunal Andimi peut allouer raison valables valable peut accorder bango remise wana deux semaines. Donc l'audience est renvoyée na date ya le 8 juin. Alors on a mis le bas et puis c'est bien sur ma case et puis c'est on a vu début du commencement parce que tout ça qui a besoin de procès toi et bah monte nani oh ya bouma qui ne connaît pas ça aussi à zate mais tout toi et bah tout monde en face mon qui que non justice est RDC c'est ça les balaki sont monte oh ya bouma qui aussi mon qui dit manga oh ya continue ma belle c'est ça. Ça va se savoir. Est-ce que je vais ma caméra du début à la fin du procès? Prosango, et que ça a combien de temps? Et que ça a le système de Benda Moulaïba Lembate? Tout ça n'est pas. Et ça compliqué? Tout ça est là. Mais je reviens encore pour dire que, Batouboni Bazasko n'a procès. Tout ce qui assistait la famille de Rossi, de Louekati,
Moi, si Arossi et c'est Katanit, on oublie. On doit respecter les gens qui prennent le risque. Faut qu'on respecte Ban. Trop de respect alors. Beaucoup de respect. Batouba cause à risque. Naloba kanaba nego même à la Kinshasa. Ce n'est pas que Baroba Zozo a risqué de Bazaka Libanda, non. Même à Kinshasa. Comment la gamme journaliste, journaliste, Yohan. Mais heure, il y a que Mbouma et Kobeta. Vous allez sentir solo à l'Iwa. Respect. Yamakas. Respect Yamakas. Aux cas solo y a liwa. Mais tu t'accroches quand même. Qui va continuer à fréquenter la famille de Rossi? Qui va continuer, ne fût-ce qu'envoyer à ces vieux papas là, na maman a eu à 100 francs? Qui va encore se rappeler de la femme de Rossi et de ses enfants? Qui? Garçon ou un jeune ou un Rossi ou un Tikali à Mobile. Affection qu'aux enfants ils se soient. Bongo les bébés. Qui? Respect. Voilà bande Konanga. Toki nous ke Koro Etienne Tshisekedi et Koya le 30 juin. Est-ce que Zaya Solo? Est-ce que Zaya Lokuta? L'idépeste Oyika ba nomination. Jacquemin Chabani a commis chargé à la commission électorale et à UDPS. Et c'est tout. Mais le Kambouya Tshisekedi, où en sommes-nous? Et ça compliqué. Merci Bande Konanga. Il faut t'informer Bino Lissousou Kende Konabiso innocent au Lenga Yarado Kapi. Oh, bakanga ki lobby. Parce que non, lo bakanga bino eza mboka ba incertitude. Ba ye bakange vers 10h, 11h na bandal. Ba me mien mbangu mbangu na parke. A lobby nanga, tango abimi a lobby. Ah, ande koza mouté ma makasi. Hein. Na lobby nani. A lobby nga na salika 45 minutes. Na kasho wana oko supporte te. Na lobby abang. Nous on a passé une nuit là-bas. To vanda ki kuna 3 jours. Na ba condition. Pas parce que to yibi. Pas parce que tu es sali, parce qu'il y a cet intérêt de la République et cette volonté de défendre nos frères. Nangonga oyo bande konanga problème sous tozanango. Eza pona ndekona biso collègue nabiso pasteur Boana ya lingala facile. Azamutu bande kom susu et pele bazaki pe ko apprécier. Ndenge tozabo ya zana condition ya malamu te asala ki avese. Moyen mbongo ezate, il faut que l'oukandenge ya kwasiste ye. So ki moutouazana moute mama lam, ako ki ko l'oukabato alinga la facile, na ba numéro na bango, na lobite ke ba l'oukangai, kama kama mbongo, j'insiste, ne komoko abenyinga lobi, on ne konatinda ki mbongo, so ki 150 dollars, abenyinga yi, je crois, zana liège, 150 dollars, pour ke okende kozo, okende ko pesa moi si ya rossi na lobite papa, il faut la naka bemission nanga. Ngama kambu ya mbongo zwa kende ko pesa mtu na lingakate. Mususu oyena Kinshasa kende ko mwona kende ko pesa. Soit vous envoyez quelqu'un. Yango, tangu na solo laka. To pesa ka numero ya mwasi ya Rossi. To pesa ka numero ya famille ya Rossi. Eza pona bole ka direct. E pa na bango. Olie ya koleka par mwa. Pour qu'un jour oya kolobake. To tindaka 100 dollars. To tindaka 1000 dollars. Eliezer alia kate. Nous avons tellement fait. Qu'on n'a pas ce temps là. Baroba koluka ko assister pasteur Boana boluki ba twalinga la facile boke bo assister ye mieux vaut ko assister mutu pendant qu'il est en vie que cause la kufa to ke nena ba condoléance. Merci parce que gerbe des fleurs mutu akomona ngote système pe koma ya baji mo wende mutu akomela yango na bandi to sukisi wana. Mais avant to sukisa encore une nouvelle. John Tshibangu balongola ki na ba service batinde na auditora ndenge tokolo baboye na haute cour plutôt
Ndenge tokolo baboye azala ndolo a komi deja na na prison ya ndolo d'information tozui yango wana tokoze la paix procès ya John Tshibangu et salem avec caméra toka ba makambango ya ba Moïse Katumbi ya banani toka ba makambango te. Pourquoi vous nous privez cette information là? Ndenge bo privé biso petit nanga wana Christian lobaka que ce qui ne peut les faire à terre n'a s'embatter parce que ma chaîne n'y est pas le couta dans le couta avant la Kinshasa. Bon, vous avez ça, il faut que vous avez ça. Bah, tout bas, vous avez ça, pour y avoir même des autres côtés. Bon, n'est-ce pas les Kinanga? Y a moi, si un journaliste à l'Oba Kinanga, le bimouan en attendant aux fingers, bah, tout n'est pas au land. Et puis on a zolo, on devait les airs qu'on a battu misu te, bilan qu'on va lingala yangoan. Merci, bande Konanga. Nous servirons la République. Nous servirons nos frères. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com.